moi, tu l'arbitres pas moi. Ne me montrez pas du doigt. Bien sûr, je répète, tu l'as sauvé. Si au huitième, j'avais dit assez. Mais la foule aurait sifflé. Ils en voulaient pour leur argent, tu sais. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Y'en a d'autres au-dessus de moi. Ce n'est pas moi qui les fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué David Mort? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? C'est pas nous qui la foule en colère. Nous avons payé assez cher. C'est bien dommage, mais entre nous, nous aimons un bon match, c'est tout. Et quand ça barre, d'un coup ça vient. Et vous savez, on y est pour rien. Ce n'est pas nous qui l'avons fait tomber. Vous ne pouvez pas nous accuser. Qui a tué David Mort? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Ce n'est pas moi, dit son manager à part. C'est difficile à dire et à expliquer. J'ai cru qu'il était en bonne santé. Pour sa femme, ses enfants, c'est bien pire. Mais s'il était malade, il aurait pu le dire. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. Vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué David Mort? Qui est responsable et pourquoi est-il mort? Moi, dit le journaliste de la tribune, tapant son papier pour la une. La boxe n'est pas en cause, tu sais, dans un match de foot, il y a autant de dangers. La boxe est une chose saine, ça fait partie de la vie américaine. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber, vous ne pouvez pas m'accuser. Qui a tué David Mort? Je l'ai frappé, bien sûr, ça c'est vrai. Mais pour ce boulot, on me paye. Ne dites pas que je l'ai tué. Et après tout, c'est le destin, Dieu l'a voulu.